bien, salut à tous et bienvenue mes chers amis gamers, vous êtes en compagnie de MiFA24 et j'espère que vous allez toutes bien, j'espère surtout que vous pétez la forme. Aujourd'hui on se retrouve déjà pour ce 22e épisode de cette série sur ce petit jeu qui est vraiment sympa. Du coup hors vidéo comme je vous ai dit, donc j'ai commencé à farmer tranquillement quelques minerais etc. Donc j'ai retrouvé pas mal d'items qui va permettre de pouvoir avancer dans de bonnes conditions dans cette aventure, donc ça, ça est plutôt cool. D'ailleurs, je vais vous montrer, voilà, j'ai récupéré quelques morceaux d'objets différents, en fait. Mais surtout, j'ai récupéré encore des disques de données. J'ai également retrouvé un livre de théorie de la dimension structurelle. Donc, à première vue, c'est un livre de l'Ancien Monde sur la conception structurelle d'un point de vue mathématique. Donc, bon, je sais pas trop comment ça se passe. J'ai également récupéré des pierres de pouvoir, donc ça, ça va être plutôt cool. Encore des os, donc les os, je vais devoir les stocker quelque part. Ça, je peux le stocker déjà. Tac. Voilà, directement. Ensuite, le bois, je peux le stocker directement, comme ceci. Et ensuite, je vais mettre ça là-dedans directement, je vais pas me casser la tête. Et la palette de couleurs également. Et le livre de théorie. Ok, donc logiquement, dès qu'on va sortir, on devrait avoir des nouvelles par rapport au disque de données. Rappelez-vous, qu'on avait donc ramené tranquillement dans le truc scientifique. Et entre-temps, j'ai commencé déjà à faire chauffer, faire cuire et faire quelques constructions qui nous permettra de concocter notre petit véhicule. Comme ça, on gagnera du temps. Mais juste avant, je vais ramasser le courrier en espérant à le centre de recherche. Vous voyez ? Bonjour, nous avons découvert quelque chose d'utile dans le disque de données que tu as porté hier. Mais il nous reste beaucoup d'informations à traiter. Nous t'enverrons les résultats par courrier d'ici un jour. Donc il va falloir attendre, mine de rien, il va falloir attendre. Donc en attendant, je vais récupérer les choses que j'avais donc commencé à fabriquer. Ah bah lancement, je n'avais plus rien. Ok. Bon, c'est pas si grave que ça. Ok, ça a plutôt bien avancé, hein. Cool. Alors parce que je vais vous expliquer ce qu'il faut qu'on fasse. Donc il y a des pneus en caoutchouc à faire, donc il va nous falloir pas mal de caoutchouc. Mais les caoutchoucs, on a tout ce qu'il faut dans le coffre. Il va nous falloir un petit moteur. Le petit moteur, je... Ah mais attendez. J'en avais pas un petit moteur. J'espère que je l'ai pas vendu. Ça là. Petit moteur, j'en ai un. Ah ben nickel. Donc j'ai déjà un petit moteur. Ensuite, il va me falloir du caoutchouc pour faire des pneus. Donc j'en ai des caoutchoucs, mais ça sert à rien de les prendre pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le plan pour pouvoir fabriquer des pneus. Ensuite, cuir, tout ça, j'ai. Donc je vais le prendre, sûrement. Ça, j'imagine qu'il va falloir l'avoir sur soi. Donc ça. Ça. Ensuite ça. J'ai ça. Et j'ai les fameuses petites planches. Ok, nice. Donc on va continuer à regarder ce qu'il nous faudra pour la suite de cette aventure. Parce qu'on regardait dans le manuel au fait. Donc les planches de bois, il nous en faudra 4. Donc j'en ai déjà 3 sur moi. Le cuir, j'ai tout ce qu'il faut, il nous en fallait 2, j'en ai déjà. Ensuite il nous faut 6 barres de bronze. Qui donc les barres de bronze avec les fibres végétales, le cuir, la planche plus le sable, va nous servir à construire 2 sièges. Ensuite, il nous faudra... non, pas le sable, excusez-moi. Le sable va nous servir à faire du verre. Donc il va falloir faire fondre dans la fournaise. Ah, dans la fournaise. Ok. Donc il nous en faut 5. Oui, annulé, parce que de toute façon, on s'en fout un peu. Carburant épuisé. Attendez, j'allais chercher un peu de bois. On va s'occuper de ça très rapidement, vous allez voir. Ils veulent du bois, il va en avoir. Hop. Hop. Il nous en faudra un peu plus parce que je vais aller tout simplement, comment dire, faire sur 2 fourneaux en fait. Tac, ça nous en fait 40 normalement. 43 même. Nickel. Allez hop, on revient vers les fourneaux. Donc là, il va nous falloir du verre. Non, là je me suis trompé, j'ai pris celui d'à côté. Carburant, tac.
Donc il nous en faudrait 5. Du coup, 3 ici. Et 2 ici. Ça fera 5. Ok. Donc, je re-regarde. Le bois l'a transformé en planche. Ça c'est bon, on a déjà 4 planches. La fourrure machin avec la fibre, ça donne du cuir. Donc ça on a déjà. Plus de la fibre végétale, on en a déjà. Qui va nous servir à fabriquer sur un établi de niveau 2. Ah, un établi de niveau 2. Donc là, on va être coincé par contre. Parce qu'après les barres de bronze, etc., ça va nous servir avec de la fourrure abîmée, etc., de pouvoir faire également ceci. Avec de l'étoffe de fibre, on a déjà. Les pneus en caoutchouc, malheureusement, on n'a pas. Parce que. Parce qu'on ne peut pas. Je sais pas pourquoi, mais on peut pas. Mais le petit moteur, je l'ai déjà. Donc ce qui va nous coincer, au fait, c'est l'établi. Ah, intéressant, intéressant. Donc, il va falloir que je m'occupe de d'autres tâches. Ok, bon, ben, c'est ce qu'on va faire. On va aller se rendre dans le truc de la guilde et on va essayer de voir si on peut pas se faire un peu d'argent. C'est parti, let's go mes chers amis. Ouais, parce que j'ai pas l'argent nécessaire pour pouvoir le fabriquer, parce que je regarde combien j'ai. J'ai que 1038. Ça suffira pas. C'est info sûr. 3 talismans, j'accepte. Dans 10 jours, pas de problème, tu vas l'avoir ton talisman. J'ai besoin de 6 étoffes en fibre. Dans 5 jours. Impossible, j'ai déjà trop de contrats. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, parce que j'ai accepté les véhicules Didi et les véhicules Didi, ça va prendre la place, mine de rien. Bon, c'est pas grave. Du coup, on va faire les talismans. Donc c'est parti. Mais j'irai quand même regarder directement dans le centre-ville si on peut pas acheter directement les pneus, les choses comme ça. A mon avis, il y a peut-être un truc à faire. Alors, les talismans. Ok, donc une magnifique amulette faite de bois et de pierre. Il nous en faut 3, donc on peut le faire. Ça utilise quoi par contre? Bois et du marbre. C'est bon. Allez, on va donner ça directement. C'est parti, let's go mes chers amis. Voilà, on va faire quelques commandes comme ça de temps en temps, histoire de se faire un peu d'argent. Il va falloir que je passe par là. Normalement, je croise la personne. Ah, attendez. Commande de la guilde. Merci, tu as des problèmes, n'hésite pas à me demander de l'aide à la brigade civile. Ok, donc il m'a donné 247, donc ça c'est plutôt cool. C'est gentil de sa part. On va regarder combien il faut exactement pour l'établi numéro 2. Mais je crois que ça coûte cher. Hein. Donc ça se passe là-bas. Au niveau de la construction. Allons-y. Ok, donc ça se passe ici. Et c'est le catalogue de construction, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Donc, l'établi. Ah, donc ça, déjà, ça me permet de changer de place. Ah, ça, c'est cool. J'avais pas compris. Tac. Et on peut faire pareil avec le poste d'assemblage. Du coup, je vais pouvoir économiser de la place. Ça, c'est cool. Ok. Du coup, c'est l'établi qui m'intéresse, c'est de l'améliorer. Et donc, pour ça, il va nous falloir des planches en bois, des pièces anciennes et du gold. Il va nous en falloir 2000. Ok. Et là, j'ai combien sur moi, donc, du coup, 1200 et quelques. Ok. Oh, mais ça va. Je pense que ça va le faire, honnêtement. Ça va le faire. Donc, on va regarder les commandes les plus faciles qu'on pourrait faire. Il me fait rire, monsieur Presley. 3 colis de coquillages, je pense que ça, c'est foutu. 6 étoffes en fibre, je pense que ça, je pourrais le faire. Ça, c'est les véhicules Didi. Les véhicules Didi, les 178, 159. On va faire cela. Ah, c'est qu'une commande par jour. Ah ouais. D'accord. Ah, c'est pas cool, ça. C'est pas cool du tout, ça. Ok, bon, c'est pas si grave que ça. Juste, ouais, je m'attendais pas à ça, quoi.
Et eux, c'est des disques en échange de ma chambre du chouette. Ok, ça, ça m'intéresse pas. Ok. Donc, il va me falloir 20 planches. Je crois que c'est ça. Et j'en ai déjà 3 sur moi. Donc, c'est des planches en bois classique. Ok. Donc, c'est ça. Tac. Et du coup, il nous en faudrait 20. Pourquoi je peux en faire que 2? Ah, parce que ça utilise 8. D'accord, ok. Donc, on va en chercher. On va essayer d'en faire un maximum. En fait, là, on est en train de faire plusieurs choses en même temps. Mais on va tenter. On va tenter de faire un truc de bien. Ne vous inquiétez pas. Ça part un peu en sucette, mais bon. Ah, parce que ça utilise vachement de bois, hein. Putain. Je suis un peu enrhumé. Hop. On casse un peu tout, hein. On s'embête pas. Et du coup, donc on aura la réponse demain pour les disques de données. J'espère vraiment que ça va être vraiment le cas. On casse un peu tout, hein. On va voir si on en a assez. Donc on peut en faire que 10 maximum, de toute façon. Ça va durer une journée. On va remettre une pierre de plus pour au moins 2 jours. 14 h. Qu'est-ce qu'il nous fallait pour la scie? 2 tuyaux en bronze, une dalle en marbre. Ok. Ah non, je me suis trompé, attendez. J'ai regardé la bisouteuse basique, en fait. Rien à voir. 5 pierres en briques et 2 lames de cuivre. 2 lames de cuivre. Je pourrais pas les faire parce que j'aurais pas assez. Ça, peut-être que je le ferai hors vidéo, ne vous inquiétez pas. Comme ça, j'aurai une autre machine, machin du chouette. Tranquille. Ok. Ça, je vais le ranger dans le coffre, histoire de pas toucher. Tout ce qui est par rapport aux constructions, il faut pas que je le touche. Donc je le mets dans un coffre. Comme ça, au moins, on est sûr de pas toucher, de pas faire de bêtises. L'étoffe, ah, attendez, c'est... Ah bah oui, du coup, je peux pas faire la commande, c'est vrai. Donc, bah ça, je vais le ranger. Je touche pas, je touche pas, je touche pas. Petit moteur, je touche pas. Ça, je touche pas. Je touche pas. Ça, on peut ranger. Ok. Alors, on a un peu de bois, tout ça, tout ça. Ok. Bah, du coup, mes chers amis, on va être un peu bloqué. Donc, je pense qu'on va se quitter là-dessus parce que je vois pas ce qu'on peut faire. À la limite, attendez, je vais peut-être visiter vite fait dans la ville, voir si je peux pas acheter ça directement. Mais je pense que non. Je pense que c'est foutu, clairement. Alors là, c'est tout ce qui est nourriture, boisson, plantes. Là, c'est nourriture. Là, c'est fourniture. On va quand même regarder, on sait jamais. Apprendre à fabriquer un lit d'hôpital. Une lampe. Apprendre à fabriquer un sablier de cristal. Ça coûte cher, mine de rien. Apprendre statue en cristal. Non, donc ça nous intéresse pas. Et là, c'est des outils en braque. Non, je ne vois pas. Hein. Je vois que les parapluies, des choses comme ça, mais je ne vois pas de roues. On sait jamais, hein. Magasin de vêtements, on entend tout, quoi. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas ce qu'il faudrait. Qu'est-ce qu'il y a ici? Barbier, machin.
on n'aura pas. Non, bah écoutez mes chers amis, donc on va se quitter là-dessus. Je vais continuer à farmer hors vidéo, histoire d'avancer un petit chouïa pour tout ce qui est ressources, etc. Sur ce, je vais... Ok, j'ai eu peur. What? Mais c'est quoi qui fait ça? Ah, c'est le soleil avec le... Ah ouais, c'est vraiment bien fait. Sur ce, je vous laisse, donc n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, également de commenter pour dire ce que vous en pensez, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de rejoindre les réseaux sociaux, notamment Discord. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde.